Alors, moi, je propose quelque chose. On vote Lucas et j'offre 5 subs si je me trompe, ok? Mais elle vient de buter le mec devant tonton! Les mecs, de toute façon, vous allez me sortir, vous allez découvrir que c'est pas moi. Ça me gave! Ça me gave! Je suis incroyablement choqué. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Coucou, bonsoir le chat. Bonsoir. Bonsoir. On a des ous, hein. Il y a ous Lucky, hein. Lucky évidemment favori pour cette game encore une fois. Toujours premier, des défenses nullissimes. Je n'ai pas vu le corps, pauvre, je suis quoi. Passé au-dessus. Je l'ai pauvre. Enjambé tel Marie-José Pérec. Oh la vache, mais c'est nul. Si je suis imposteur, bon bah la partie durera une quarantaine de secondes. Bah, on est parti, okay. Let's go, allez. Let's go. Allez. Bonne game. Bah, bonne game à tous. Ouais. Bon courage. Putain, c'est rapide ça. Nous, on n'a pas traîné. Hein. Ça va, je démarre tranquillement. Je suis un ous. Tiens, Ludivine reste particulièrement inactive hein, sur ce lancement de partie. Attention, Ludivine, attention. Ludivine, comportement suspect dès le départ. Je m'occupe tranquillement de mes feuilles. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, pas de problème. Rabi, c'est un gars cool, Rabi. Hein, hein, c'est un gars cool, Rabi. Hein. Rabi, il est cool. Rabi. Hello. Le rabbin est là. Le rabbin a l'air... Ça fait deux fois! Ouh, ça fout la merde de l'autre côté, réacteur. On trace! On trace! Ça s'est vite réglé! Alors, j'étais pas mécontent de mes games de la semaine dernière. Je trouvais que j'étais particulièrement fin, sauf pour Rabi, bien évidemment. Ça fait deux fois! Hop. Ça travaille ou ça travaille pas? Le haut de d'en bas, le haut de d'en bas! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On se calme, on se calme. Cadavre signalé, let's go. Aïe aïe aïe, le meilleur d'entre nous. Ah. Je peux innocenter Norbert. Je peux innocenter Lucas, c'est nous qui avons désamorcé la première alerte tous les deux. Ludivine, eh bien, j'ai eu très peur d'elle. N'ayez pas peur. Mais tout s'est bien passé, mais bon, vraiment ça, très ça, bien. Ça change pas d'habitude. Hein. Et Nadège, je suis quasiment sûr que c'est pas la tueuse parce qu'elle a eu deux fois l'occasion de me trucider et c'est une noob. Ouais. Elle l'aurait fait si elle était killeuse dès le premier game. Donc ça laisse Turi et le Ous du Huc et potentiellement Rabi. Est-ce que c'est possible de me dire où est-ce que vous étiez? Sécurité pour ma part. Cargo. Weapons. Ludivine, quand on a lancé la game, elle était immobile pendant très longtemps. C'est tout ce que j'ai à dire avant. Mais je ne voterai pas pour elle. Je lisais le truc, les tâches. Quelqu'un vous décompte, moi? C'est gentil. Quelqu'un qui a voté contre moi! J'ai l'air suspect. Ça avait été moi, vous savez bien que... Il n'aurait bien plus qu'à voir à ce moment donné. Ça aurait été un carnage de puissance. Et donc, c'est tout simple de m'accuser moi. Quel méchant, qu'il est méchant. Je n'aurais pas précisé que j'avais mon putain de Simon à faire. Nadesh a l'air safe. C'est vrai que c'est une partie pour le moment, je vous cache pas. Je la fais avec pas mal de confiance. J'ai la confiance est là. Les tâches, on va vite. Ouais, il me reste plus que deux tâches à sécurité, ce putain de Simon. Et après, on est bien, quoi. Je viens de croiser Ludivine qui avait pas l'heure. Voilà, si elle avait voulu me trucide, elle aurait pu le faire. Elle l'a pas fait. Je pense que voilà, quoi. Il a une belle tête de vainqueur. Et il me reste plus que ce putain de Simon. Oh, un corps au Simon. Un corps au Simon. Oh, Rabi. Ah bah là, il était cool, pour le coup. Rabi, il est mort sur le Simon. Parce que moi, il me reste plus qu'à faire mon Simon au réacteur. Et Rabi, il est mort sur le Simon. Rappelle-moi où c'est le Simon, hein, Turi. Du côté de réacteur. Parce que je sais pas depuis quand il est mort, Rabi, bien sûr. Et nous, on était vers admin ou vers storage par là. Il y avait Ludivine et Ousduc. Ouais. Donc on est loin, quoi. Ouais. Donc soit ça fait longtemps, soit Turi a une odeur. Moi, déjà, je suis un ous, hein, je tiens à vous le dire. Attention, si tu dis ça et que t'es un imposteur, il peut y avoir des lourdes conséquences. Et les personnes que nous n'entendons pas beaucoup, ils ont quoi à dire? Moi, le problème, c'est que je vais paraître suspect parce que j'étais à moteur supérieur, donc je suis pas passé par réacteur, je tiens à le préciser. J'ai fait une tâche cargo, le truc du bidon d'essence. Faut voter, les gars. Ouais, on y moi, je skip, là, je skip. Ouais. Moi, je tiens à vous dire, pour le moment, je pense que Norbert, ça pue. Et là, surtout que j'ai mon Simon à faire. Je vais aller le faire tout de suite. Je déteste ce truc. J'oublie toujours tout. Putain, mais il y a combien de trucs à faire? Ah, tu vois, je me plante. Oh, le nulos, le nulos. Je déteste le Simon. Mais vraiment, hein, c'est le truc que je déteste le plus. Ah, le dernier, il y a une panique qui arrive. Nico, il est sur le coup. Est-ce que ça fait le tour à bon? Ça va, c'est réglé, c'est réglé. Tonton, il est encore dans les parages. Hein. Tonton, il me suit. Tonton. Je sais pas ce qu'il fout, le mec, mais il me fait peur. Il y a quelqu'un qui regarde les caméras? Ouais, y'a Nadège qui est aux caméras. Le Simon, donc! Ça me gave! Je déteste le Simon! Un problème de Simon! Norbert fait une réunion.
Donc j'ai fait l'emergency meeting parce que je voulais savoir où on en est sur vos fréquentations. Ah, moi j'ai un gros doute sur quelqu'un. Moi aussi. Ouais, gros doute sur Sturi, hein. Énorme doute sur Sturi parce que l'oxygène, les trucs comme ça lui ressemble. Je pense pas que ce soit un coup de Nadège qui découvre le jeu ou quoi. Je vais être transparent avec vous les mecs. Il me reste que ce Simon. Je... Non. Oh, arrête. Allez, on vote. Suivez-moi. Non. Tu l'as fait à toutes les games. Les mecs, de toute façon, vous allez me sortir. Vous allez découvrir que c'est pas moi. Le mec qui m'a suspecté depuis le début, je pense vous laisse débarrasser de moi. Putain, je me suis déconnecté du serveur. Oh non. Une erreur inconnue. Oh, il y a eu un double kill de ce fait. Et c'est pas moi. Et votez pas contre moi, c'est pas moi. Hein. Attends, le jeu il continue pour vous là. Ouais. Bah moi je... Ah ouais, putain. Oula, ouais, comment je suis éliminé. Salut mon. C'est horrible, hein. T'as vu ça, comment ils m'ont suspecté, c'est fou là. Ah, ils m'ont suspecté, mais genre violent quoi. Je vais aller faire mon Simon, parce que je fais mon Simon, on a gagné. C'est une cata quoi. Alors attends. 1, 9, 2. 1, 9, 2, 2. 1. Défaite. Mais ça y est, tu commences. Première partie, ça y est. Masterclass, direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plus là, moi. Nico, imposteur, il a fait un O2, personne n'était le réparer, super. Si, il est venu le réparer, mais enfin, on était que 3, donc bravo, les mecs. Il suffisait que j'attende, et voilà quoi. Mais elle compte pas, cette game, il y a eu un double kill. Bon, mais, en vrai, j'ai perdu en réalité. Pourquoi tu m'as pas désingué dans admin tout à l'heure, Nico? Parce que tu me servais d'alibi. Il est brillant. Sturi, je te présente mes excuses. Non, mais c'est tout. Je suis nul en Simon, je vais devoir assumer, parce que ça va me jouer défaut pour la suite. Oh ! Ah ! Ah ! Oh, le pire ! Ah, je suis avec Ludivine ! Oh, merde ! Oh, merde ! Ça va, c'est réparé. Désolé, c'est terminé parce que je suis arrivé dans Electrical et le corps était en train de tomber en fait. L'animation d'assassinat était en train de tomber. Rip Nadège, mais c'est fini, Sturi. En plus, on t'a entendu gueuler quand t'as lancé le truc. Donc, c'est vrai qu'on a entendu le petit cri. Ouais, et là, je viens de te gueuler. Alors, moi, je l'entends bien, mais en live, du coup, ce qui est dans la pièce à côté. Mais il crie tout le temps, donc moi, ça m'a pas paru suspect, du coup. Est-ce que Norbert, il ferait pas le même coup qu'il a fait à moi? Moi, j'ai un petit. Je suis incroyablement choqué du numéro. Un grand numéro, je vais partir comme Lucky en effet à la game dans la semaine dernière. C'est fini, Sturi. J'ai vu l'animation du truc tomber. Merci les mecs, ça sera mon unique défense. Tonton, bisous à toi. Non mais il est con quoi celui-là. Non mais courage, c'est fini, en plus tu mens comme mecs, ça devant ton chat à et deux, tout. À 2 versus, ah là là à deux versus là là 7, là. Vous allez en chier. Courage à tous. Le big acteur. Oh là là, mesdames, messieurs. Cours Florent, Pagny. Pierre Ninet sort de ce corps. Ça n'a pas marché. Non mais c'était un immense fail. C'était le fail du siècle. Ça, Ludivine est absolument pas suspecte. Horrible fail. Et elle n'a absolument rien fait pour me défendre. J'étais indéfendable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais essayer de trouver Ludivine quand même dans les parages. Ludivine, elle est là. Ludivine, elle suit les gens qui font le travail. Elle essaye de faire l'innocente. Mais elle vient de buter le mec devant Tonton. Mais la pire. Mais elle est... Mais non, Ludivine, mais non. Bien, je viens de trouver notre bon procrat avec Ludivine juste à côté. Voilà, parti, au moment de l'alerte. C'est marrant, hein, que l'alerte a été déclarée au moment où il y a quelqu'un qui est mort dans Electrical, comme si la personne attendait que les gens viennent. Bonnie voilà. And Clyde, ça dégage. Les pires Bonnie and Clyde, ce couple de nuls. Jesse et James, c'est cramé. On arrivait avec le housse du Huck, là. Et... Ah ouais, on a vu la scène, limite, tu vois. Bah ouais, mais alors par contre, bon, je veux pas me défendre. Ça sert à rien. Si, vas-y, pour le fun. Non, ça n'a aucun intérêt. Au moins, j'ai essayé de tuer des gens cette fois-ci, donc ça allait pas. Tu m'as désingué il y a 2 minutes sur le truc. Il faut voter contre soi-même maintenant, Ludivine. Hop, c'est quelle belle game, quelle belle Bravo game. Bravo. On a quand même été le pire duo, le pire Bonnie and Clyde. Nul, mais nul à Yash, quoi. Nul à Yash. Je suis un coéquipier, je suis un ousse. De toute façon, même si je suis imposteur, je vous dirais, je suis un ousse. Quoi qu'il en soit, je suis un ousse. Je suis un drôle d'ousse. Je suis un marin d'eau douce. C'est nul! Et allez, réacteur. Oh là 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 là, le temps de rien ici. Just, hein, le timing là, let's go, hein. J'ai des trucs à faire ici. Bah, bien sûr que j'ai le Simon. Évidemment que j'ai le Simon. Toujours le Simon à faire. Procra, il fait le Simon. Je vais faire le Simon à côté de Procra, comme ça, Procra et moi, on peut s'innocenter. 5-5-3, cadavre. Allez, pas le temps de faire mon Simon. Ok.
auquel cas tu es Nadège. Je vais pas dire. Vous, donnez-moi vos positions, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de faire mon sinon. Oui, moi, je suis témoigne. En train de faire un bidon, là, de je sais pas quoi. Moi, j'étais bouclier, je m'apprêtais à aller à radio. J'ai fait réacteur, et ouais, je suis passé par le moteur inférieur pour aller à storage, ouais. Ouais, ouais. Et après, t'as été tout droit. T'as pas fait peut-être un petit détour à électricité pour mettre un petit coup de couteau. Non, pas du tout. Ah non, non. Ok. Non, bah, écoute. Ah non, vraiment pas. Non, j'ai pas de tâche à électricole. Donc, non. Voilà. Parce qu'en gros, où le cadavre et le suspect premier, quand même, au niveau de la trajectoire qui colle exactement. Moi, je vais rester là avec Procra. Donc, Procra, il faisait son ciment. Pour moi, Procra, il est cool. J'ai croisé Procra au tout début de la game à Arme. On avait la même tâche avec les astéroïdes, les 20 astéroïdes. D'ailleurs, tu l'as fini beaucoup trop vite, mon ref. Bah, je l'ai fini hyper vite. Je suis sur Switch et ça va très bien sur Switch. Je l'ai fini. Je pense pas que ça soit Lucas, mais franchement, le timing. C'est Lucas. Mais c'est pas c'est possible voix, mais pourquoi encore? Encore. Ah bah, il survit. Le petit Lucky, attention. 2-2. Non, 5-5-3. Voilà, 5-5-3. Ok. 5-5-3-1-9. Lucas, il aurait pu me charcuter. Hein. Il aurait pu me charpio, hein, Lucas, là. Il m'a pas charpio, le Lucas. Donc ça. Il est peut-être un mec cool quand même. Ludivine, elle fait quoi là-bas? Elle a une tâche là-bas? Moi, j'aime pas trop la croiser, Ludivine. Ou réparer les lampes. Ouh là là, elle nous a mis dans le noir. Ouh, j'ai croisé tonton, Ludivine. Attends. Y'a que tonton qui en est sorti. Ludivine aussi. Bah, ils font quoi? Et ils se retrouvent dans un coin, ils font des trucs dans le noir pendant que je suis pas là. Oh, les deux, ils se retrouvent dans des endroits sombres dans mon dos. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Pas très d'accord. Non, Lucas, il a l'air cool. Petite question. Lucas? Oui? Mon gigapote, comment ça va? Ça va, toi, mon frère. À vie, okay, frère. Ouais. Ça fait 6-8 mois qu'on se connaît, un truc comme ça. Grosse amitié. Alors, du coup, j'ai une petite question. Je t'en prie. Pourquoi, quand les portes se ferment à cargo et qu'on est que tous les deux, tu commences à courir tout autour de moi? Ah, pas du tout. Mais non, je cherchais la porte. J'ai fait le tour du côté du couloir pour moteur inférieur. N'importe quoi, j'ai fait un quart de tour. J'ai pas fait un 360, hein. T'as pas fait un quart de tour, t'as fait le mec qui a battu le marathon là en 2h et quelques, c'était toi. Mais t'es tombé de Kayel à la naissance ou quoi? N'importe quoi. J'ai fait un 90 degrés, un angle droit. C'est rigolo, j'ai fait... Lucas, quand il se défend, c'est un peu comme Merlin dans Kaamelott quand il se met à gueuler. Ah, c'est matin, ça va vous retomber sur le nez, faudra pas demander d'où ça vient. Mais à chaque fois, on m'accuse, là, j'ai pris deux vote pour rien. Deuxième question, parce qu'il reste pas longtemps. Comment ça se fait que quand on était électricité à 3, la lumière s'est coupée et après, bizarrement, il y a eu une ambiance un peu suspecte où t'étais, il y avait que toi et moi et c'est Procra qui a fait demi-tour. Non mais attendez, remettre la lumière. On s'est vu. Il reste 10 secondes, je veux juste dire que je peux innocenter Rabi et Procra, voilà. C'est honteux. Sort pas? Il sort pas, mais bon, bizarre, en plus j'ai un vote. Qui pourrait penser que ça pourrait être Lucas? T'as eu très chaud au cul. Bizarre. Bizarre, Charpio, il me suit. Mais il aurait pu me charpioter tout à l'heure, il m'a pas charpioté. Ça, je trouve ça bizarre. Il aurait pu me buter et il ne l'a pas fait. Parce que vu qu'il avait zéro cooldown à ce moment-là, il pouvait le faire. Et franchement, c'était un endroit rêvé pour me buter, quoi. Il était dans une... Ah, on m'a enfermé, tiens. Je veux m'en aller. Je veux pas rester tout seul à l'électricole. Enfin. Je veux pas rester tout... Là, tu vois, il pourrait me tuer. Il me tue pas. Pourquoi il me tue pas si c'est vraiment un méchant? Je comprends pas. Et Nico, il a laissé parler personne, en réalité. Il a fait tout son monologue sur les 120 secondes. Moi, Nico, j'aime pas trop, tu vois, qui monopolise autant la conversation. Ah, cadavre découvert. Nico et Ludivine. Bonsoir, je viens de... Bonsoir, inspecteur. C'est la police, c'est ça? Bonsoir, c'est la police. Bonsoir. J'étais... présentement... Je suis gilet jaune, monsieur. J'ai des droits. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. N'obligez pas à voter contre vous dans le début. Est-ce que chacun d'entre vous qui êtes présent tout de suite, là, vous pouvez me dire où c'est que vous êtes? Où se Procra, là, monsieur Procra, s'il vous plaît? Je suis administration, monsieur. Ok, m'intéressez pas. Rabi, vous... Ouais, c'est moi. Lucas, vous êtes où, s'il vous plaît? Infirmerie. Je faisais les échantillons, là. Absolument. Quoi? Mais Procra, on va en venir aux mains. Calme-toi tout de suite, Asturie, excusez-moi monsieur, où est-ce que vous êtes? Écoute, là tout de suite, je sais plus exactement où j'étais, je crois que c'est supérieur. Mais je suis sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche. Et tonton, s'il vous plaît. Je venais de storage, j'allais dans Admin. Et je vous ai croisé d'ailleurs. Vous veniez de là où c'est que le corps qui était tout chaud, quoi. Ouais, parce que moi je t'ai croisé en venant de storage, si tu veux. Donc ouais, je vais te retourner le complément, espèce de sale flicaille de merde. J'allais vers storage et c'est à l'intérieur de storage, de cargo, que je l'ai trouvé alors que tu venais de là. Donc, ah, moi, je l'ai
pas vu le bordel. Je l'ai pas vu. Moi, je t'ai vu. Lui, je l'ai pas vu. Ah oui, moi, j'ai bien compris. Vous elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Il faut se calmer, les Michel, là. Ne votez pas l'un pour l'autre. Vu que vous accusez et que Sturi n'est pas suspect, moi non plus, ça veut dire que l'un de vous deux est complice de Lucas, donc votez. Mais arrête, frère. J'étais à l'infirmerie. Qu'est-ce que t'as contre moi? Oh putain, y'a un connard qui a voté contre moi. Ça va pas se passer comme ça. Je vous attaque en justice, moi. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Moi, la charpiote, il m'a l'air cool. Rabi et Norbert, ils peuvent faire un gros numéro. C'est ça le gros problème. C'est que les mecs sont capables de faire un gros numéro. Merde, les lampes. Les lampes. Je vais rester seul dans mon coin. Je bouge pas. J'ai peur. J'ai peur pour les lampes. Ça va. Procra, il avait l'air cool quand même. Réunion d'urgence. Merde. Procra sur la tête de ma mère. Oui, tu sais très bien ce que j'ai fait. Mais arrête! Ce bravo, n'est Rabi. Pas moi, frérot! Bravo, Rabi, tu es officiellement innocent car tu as viré tonton. Et si tonton était innocent, on serait mort. Oui, donc, c'est vrai. On a dégagé. Il y a un mort qui a été dégagé. C'est tonton. Je suis un agent de la paix, hein, donc. Voilà. Monsieur Rabi, colonel Rabi, vous êtes officiellement innocent et pour ça, j'applaudis très fort. Merci, c'est gentil. Et du coup, moi, ce que je propose, parce que depuis tout à l'heure, on tourne autour du monsieur, mais monsieur Charpion, là, ça serait à un moment donné, il faudrait le dégager. Alors, dans la justice française, moi j'ai des droits, monsieur. J'ai droit à une défense. Mais justement, je suis obligé de le dire, la charpiote aurait pu me charpioter à plein de reprises, il ne l'a pas fait. Oui, mais je ne suis pas imposteur. Ce n'est pas moi. J'étais dans infirmerie, le gonze, il fait... Non, pas le gonze, Rabi, l'inspecteur de police, il dit, vous êtes où? Je dis, dans infirmerie. Procra, il fait non, mais t'as des yeux derrière mon dos, qu'est-ce que... T'es... Non, c'était juste pour t'énerver. Je n'avais en aucun cas... Mais ça marche, si tu vas apprendre le MMA dans 6 mois, on se rencontre, ça va chier. Pendant 2 alertes, mec, tu es allé à l'opposé de l'alerte. La semaine dernière, tu m'as fait tuer pour ça. Donc, moi, je le prends comme une vengeance. Rabi innocent, moi-même, je ne vais pas me dire que je suis imposteur, car je connais mon rôle. Je suis innocent. Donc, monsieur Charpion, s'agirait de grandir. L'innocence transpire à travers toi. Alors, monsieur, tu n'es pas innocent, mon brave, tu es l'innocence pure. Oh là là. Mais je suis perdu de chez perdu. Alors, moi, je propose quelque chose. On vote Lucas et j'offre 5 subs si je me trompe. Ok? Mais c'est une blague. Par le chantage, n'importe quoi. Les subs, c'est chez moi. Ouais, je m'y engage. Non mais c'est n'importe quoi, il faut voter vite. Oh putain, le président il a pas voté quoi. Oh, il est parti où? J'ai pas osé, c'est encore jouable. Mais ils me font peur, hein. J'ai plus beaucoup de tâches. Enfin si, en fait j'ai encore beaucoup de tâches. Je fais partie de ceux qui ont encore le plus de tâches. On a encore pété les lumières, c'est un coup aller se faire trucider si on va les réparer en vrai. Je suis suivi par quelqu'un, je me cache là. Ça va, quelqu'un est venu réparer. Bah Procra, Lucky, ils sont tous les deux venus réparer les lumières. Rabi, est-ce qu'il ne l'a pas joué à l'envers? Rabi, il y a une porte, elle est ouverte cette porte ou pas? On est tous ensemble en vrai. C'est très très bizarre. Limite, je suis presque en train de me suspecter moi. Je suis peut-être un imposteur sans le savoir. Oh Lucky. Attends. Rabi, il a fermé des... Non. C'est Charpio. Bah ouais, je crois que c'est Charpio, mais par contre, il a été meilleur que d'habitude, hein, si c'est lui. Ouais, non, mais ils étaient ensemble. Mais c'est pas moi. Ils se suivaient, mais si, c'est toi. Oui, il me suivait, il arrêtait pas de me suivre. À un moment, il est parti. Il est mort. Et il te suivait, non. Il est mort. Allez, ça dégage. J'étais dans O2, à un moment, je l'ai perdu de vue. Quand je suis remonté à Cafette, il m'a suivi dans Admin. Oui. Oh, il m'a suivi dans Cafette, et après, je suis allé du côté droit. Tu l'as tué. Parce que t'avais pas les couilles qui te suivent, parce que t'avais plus ton cooldown. Allez, Sturi, monsieur le président, s'il vous plaît. Mais pas du tout. Sturi, j'ai passé quasiment tout. Enfin, pas toute la game, mais il y a plein de moments où j'aurais pu tuer Sturi et j'étais pas en cooldown. J'ai fait toutes mes tâches. J'aurais pu le tuer, mais j'étais pas en cooldown à ce moment. Mais non, mais. Tu viens de le dire, allez, ça dégage. Mais non. Merci Rabi pour cette précision d'orfèvre. Ah putain, je me suis vendu moi-même, mais quel connard. C'était voté déjà, c'était voté. J'étais pas en cooldown, mais quel idiot. Ouf.